Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet, Métropole, septembre 2017. Exercice 7. Les légionelles sont des bactéries présentes dans l'eau potable. Lorsque la température de l'eau est comprise entre 30 degrés et 45 degrés, ces bactéries prolifèrent et peuvent atteindre en 2 ou 3 jours des concentrations dangereuses pour l'homme. On rappelle que micromètre est l'abréviation de micromètre. Un micromètre est égal à 1 millionième de mètre. Question 1. La taille d'une bactérie légionelle est 0,8 micromètre. Exprimez cette taille en mètres et donnez le résultat sous la forme d'une écriture scientifique. Question 2. Lorsque la température de l'eau est de 37 degrés, cette population de bactéries légionelles double tous les quarts d'heure. Une population de 100 bactéries légionelles est placée dans ces conditions. On a créé la feuille de calcul suivante qui permet de donner le nombre de bactéries légionnelles en fonction du nombre de quarts d'heure écoulés. Question 2A. Dans la cellule B3, on veut saisir une formule qu'on pourra étirer vers le bas dans la colonne B pour calculer le nombre de bactéries légionnelles correspondant au nombre de quarts d'heure écoulés. Quelle est cette formule? Question 2B. Quel est le nombre de bactéries légionnelles au bout d'une heure? Question 2C. Le nombre de bactéries légionnelles est-il proportionnel au temps écoulé? Question 2D. Après combien de quarts d'heure cette population dépasse-t-elle 10 000 bactéries légionnaires? Bien, exercice 7, donc on a un exercice assez classique, donc écriture scientifique, si on va compléter un tableau. Et ensuite, on aura une étude de graphique avec une fonction. Donc ici, on a la taille d'une bactérie légionnaire est 0,8 micromètre, sachant que 1 micromètre c'est égal à 0,000001 mètre. Donc on veut exprimer cette taille en mètres, donner donc résultat sous forme d'écriture scientifique. Donc ça c'est 1 fois 10 puissance moins 6 mètres. Donc 0,8 micromètre, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5. 0,8 mètres. 0,8 fois 10 moins 6 microns, 10 moins 6 mètres. Donc 8 fois 10 moins 7 mètres. 8 fois 10 moins 7 mètres. Alors, deuxième question. Quelle est la formule qu'il faut saisir en B3 pour avoir, donc si on copie ensuite tout le long de la colonne, on obtient les résultats obtenus. Donc ici, on rappelle une population de 100 bactéries légionnaires est placée dans ces conditions et la population double tous les 4 heures. Donc doubler, ça veut dire on multiplie par 2. Donc ici, pour avoir B3, il faut faire égal 2 fois B2. Et ensuite, 2 fois B3, 2 fois B4, etc. etc. Donc ici, la formule à utiliser, ça va être 2 fois B2. Alors, quel est le nombre de bactéries légionnaires au bout d'une heure? Donc ici, 100 fois 2, c'est 200. Donc 100 fois 2, 200. Ensuite, 200 fois 2, 400. 400 fois 2, 800. 800 fois 2, 1600. Dans une heure, il y a 4 quarts d'heure, donc ici, au bout d'une heure, le nombre de bactéries légionnelles sera de 1600. Alors, est-ce que le nombre de bactéries légionnelles est-il proportionnel au temps écoulé? 2 quarts d'heure, et quarts d'heure, ici, nombre de bactéries. Donc, en 1, on aurait 200, en 3, on aurait 800. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Eh bien non, parce que pour passer de là à là, 200 divisé par 1, ça fait 200. Par 200 pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, donc cette cellule-là à cette cellule-là. Par contre, 800 divisé par 3 va égal à 200. Donc ici, le nombre de bactéries légionnelles n'est pas proportionnel au temps écoulé. On pouvait aussi le voir en
regardant la première colonne, donc 0, 100, si les données étaient proportionnelles, les grandeurs étaient proportionnelles, et bien ici, on aurait eu un 0 à 0. Un nombre de quarts d'heure 0, le nombre de bactéries serait 0. Donc ici, on n'aura pas. Donc ici, cela prouve bien qu'il n'y a pas proportionnalité entre le nombre de bactéries légionnelles et le temps écoulé. Alors, après combien de quarts d'heure cette population dépasse-t-elle les 10 000? Alors, 1600 x 2, 3200. Donc pour le cinquième quart d'heure, le nombre de bactéries sera de 3200. Ensuite, 3200 x 2, 6400. Et 6400 x 2, 12800. Donc, ici, donc, au bout du 16e quart d'heure, le nombre de bactéries sera supérieur à 10 000. Question 3. On souhaite tester l'efficacité d'un antibiotique pour lutter contre la bactérie légionnelle. On introduit l'antibiotique dans un récipient qui contient 10 puissance 4 bactéries légionnelles au temps t est égal à 0. La représentation graphique sur l'annexe à rendre avec la copie donne le nombre de bactéries dans le récipient en fonction du temps. Question 3A. Au bout de 3 heures, combien reste-t-il environ de bactéries légionnelles dans le récipient? Question 3B. Au bout de combien de temps reste-t-il 6000 bactéries légionnelles dans le récipient? Question 3C. On estime qu'un antibiotique sera efficace sur l'être humain s'il parvient à réduire de 80% le nombre initial de bactéries dans le récipient en moins de 5 heures. En s'aidant du graphique, étudier l'efficacité de l'antibiotique testé sur l'être humain. Alors ici, on a donc un graphique. Donc on va tester l'efficacité d'un antibiotique. Alors au bout de 3 heures, combien reste-t-il environ de bactéries légionnelles dans le récipient? Au bout de 3 heures, alors ici au bout de 3 heures, on a ici un trait vertical jusqu'à la courbe et ensuite horizontal jusqu'à l'axe désordonné. Et donc ici, d'après la lecture du graphique, au bout de 3 heures, il restera 5000 bactéries dans le récipient. Alors ici, combien de temps restera-t-il 6000 bactéries? Alors 6000 bactéries, ici, on regarde 6000. Hop. Et hop. Donc là, on est après 2. Donc ici, on va dire 2h15. Donc d'après la lecture du graphique, après 2h15, au début de l'expérience, il restera 6000 bactéries. Alors, on estime qu'un antibiotique sera efficace sur l'être humain s'il parvient à réduire 80% le nombre d'initiales contenues en moins de 5 heures. En moins de 5 heures. Alors 80%, donc il va devoir éliminer 8000 bactéries. Et ici, donc on va arriver donc ici, donc 8000 bactéries, donc 10%, 80% de 10 000, ça va faire 8000. Donc élimination de 8000 bactéries, ça va nous arriver à 2000 bactéries. Or ici, si on prend 2000, ici, tac, on arrive à 7 heures après 7 heures. Donc, il n'élimine pas les 8000 bactéries en moins de 5 heures. Donc ici, l'antibiotique élimine 80% du nombre initial de bactéries en 7h15, donc l'antibiotique n'est pas efficace.